Cette autoroute n'a pas de limite de vitesse. Vous pouvez conduire aussi vite que vous le voulez sans jamais vous faire arrêter. Pas de police, pas de radar, c'est la liberté. Mais l'histoire de l'autoroute allemande n'est pas sans conséquences. L'autobahn, qui traverse le pays sur plus de 13 000 km, n'a aucune limitation. Plus votre voiture sera puissante, plus vous pourrez rouler vite sur la voie de gauche. Ce qui nous amène au dernier record de 380 km/h détenu par une Porsche 9 FFG juste devant une Bugatti Veyron aperçue à plus de 352 km/h. Depuis, personne n'a battu ces chiffres. En effet, l'autoroute n'est pas aussi vite qu'avant. En 1932, la première partie de cette idée fut construite par les Allemands et elle n'avait déjà aucune limite de vitesse. Sauf que ce ne sont pas les habitants eux-mêmes qui l'ont bâtie, mais des travailleurs forcés. Vous l'avez compris, l'autobahn n'a jamais eu de limitation et n'en a jamais eu besoin. Les crashs en Allemagne font partie des moins nombreux du monde.